كمالك وجمالك على سيدنا محمد، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ونختم بها آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا في هذه المدينة، وبارك لنا في دولتنا، وبارك لنا في مدننا، وبارك لنا في قرانا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم عافنا واحفظنا اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها وسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدك، وفي لنا رمى الله يا واسع الكرم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدك، وفي لنا رمى الله يا واسع الكرم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدك، وفي لنا رمى الله يا واسع. Kwazi tewe mtukufu mauguri ya manu Amani namna mwole program ya sisiwa Leo nurani sao kuhashirisha holiho Nesinti unaru Saudu Saka ya rangunde tarehi kumena mbili Yaho mwezi wa Oktoburu mwazi usili Mwashirina mbili Uhonda etarehi kumena nne Yaho mwezi wa Oktoburu mwazi uziri mwashirina mbili Siundaru Saudu izonde zajiri Avasa ranguleo Tarehi kumena mbili yaho mwezi wa Oktoburu Mwazi uziri mwashirina naru Hata etarehi kumena nne yaho mwezi wa Oktoburu Maha ziwizili wa shirina naru Garjoka haruma Ngongo yuhamada zinu Za uhashirisha holiho ni zajira harumu jombe Haizunga mjoka ya ngasimbenisha nganjuro guzule mbukami Wajuza rogo zajira Yode mare kao Abasa inu garjokunga haluha ya kinaswara Tiskuri jufanyiwa haubuwa Baada rasumaye ya sini Haubuwa kres usikuwa leo Holiho ni za kivitezo sukuwa leo Yode malo kagamjupara ya mwananyasi muhajir abdushaf ya jari someyo ili wanduwa juwe za rehansi banu usikuwa leo marahabu Kwezi wazazi watukufu ye luha ikawa ngarumilawa haruma dunia ikawa ya wafikia komori ne luha ya shifaransa ukedi aspora wafanya hazichoncha shiha msaada ngeba sino lata wakati ngaritoa we diskuru inu haruha ya shifaransa Ili ya dunia welewe Osikwalewe nizorlonizo Madames et messieurs Je voudrais demander mon propos par une question A laquelle j'inviterai Les moins de 50 ans à répondre Qui parmi vous sait ce qu'il s'est passé Ici à Mbeni le 12 septembre 1975 A qui parmi vous
le nom de Mbaye Issa, de Maulida Mdo Homa, de Mansabu Saïd Hamadi, de Soule ou de Mansou, de nourrisson de 5 ans veulent dire quelque chose. Qui? Personne ou très peu d'entre vous. Et pourquoi ignorez-vous cette date? C'est non. Vous les ignorez parce que nos pères, nos oncles ont décidé de taire les événements du 2 septembre 1975. Ils sont décidés volontairement ou inconsciemment d'entrer cette tragique date, de nous priver ainsi de cette partie de notre histoire collective, manquant ainsi à leur devoir de mémoire. Oui, ceux qui y avaient notre âge en 1975, nous ont privé de cette partie de notre mémoire mbénienne. Et l'on voudrait aujourd'hui que nous qui y avons l'âge qu'il y avait en 1975 commencions la même erreur. En passant sous silence, en effaçant d'un trait ce qui s'est passé le 12 et 14 octobre 2022. Oui, certains voudraient que nous nous rendions coupables pour les générations à venir des falsifications de l'histoire de Mbeni. Ils voudraient que nos enfants et petits-enfants puissent nous reprocher demain de n'avoir pas assumé notre devoir de mémoire. Car, mesdames et messieurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui et dans les 3 jours à venir pour assumer notre devoir de mémoire. Oui, il est de notre devoir d'inscrire dans le marbre les événements d'octobre 2022. Nous le devons pour la trentaine, pour la trentaine de jeunes blessés par balles rayées. Nous le devons pour le propriétaire de tous les biens détruits. Près de 200 maisons saccagées, une cinquantaine de véhicules vandalisés, 11 jeunes, filles et femmes agressées et torturées moralement et physiquement. Des dizaines d'hommes et femmes arrêtés, torturés et humiliés dans le camp militaire de Mbé. Certains emprisonnés de CMN diront, sans oublier ceux qui ont dû choisir le chemin à l'exil. Saccagés par qui? Vandalisés par qui? Agressés et torturés moralement par qui? Les femmes? Torturés et humiliés par qui? Par ceux-là même qui sont censés nous protéger. Par ceux-là même qui sont censés nous protéger. Aux ordres de qui? De ceux-là même qui sont censés nous diriger. C'est ce vent de certaines qui sont censées être nôtres. Hein? Et pourquoi? Parce que nous célébrions notre prophète. Mesdames et messieurs, chers frères,
chers soeurs, soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de notre ville, soyons fiers de Mbeni, la martyre, de Mbeni, la résistante. À vous jeunes, veillants, victimes des exactions du régime actuel. Vous, donc, corps enseigné le 12 octobre 2022, recevez notre solidarité, celle d'une diaspora infatigable. Une diaspora qui n'a jamais failli à son devoir d'assistance et à qui nous adressons nos sincères remerciements. Que nos remerciements parviennent à tous ceux et à toutes celles qui se sont mobilisées partout dans le monde pour prendre part à l'élan de solidarité pour soutenir les blessés et leurs familles. Mesdames et messieurs, nous ne nous sommes pas réunis ici, nous ne sommes pas réunis ici, disons-le, pour tisser quelque haine. Nous nous sommes réunis ici pour dire que notre douleur, notre tristesse sont toujours aussi vivaces et profondes. Nous sommes réunis ici pour dire que nous n'oublierons jamais, jamais cette peine. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour qu'ensemble, à travers cette commémoration, nous disons au monde entier, Mbeni résiste à jamais contre l'injustice, à la tyrannie. Je vous remercie et vous remercie à toute personne qui lutte contre la dictature de 2016 à notre jour. Ok, madame Mbeni, fondateur du préfet Gambo Nisomi. Ni sommes là pour nous soyons à moto le semble malheureusement que les chiens haja. Angamdum ni soami, Hollywood est légitime dans le lieu. Dans la vie sacrée de Mbeni, où la foi brille avec ferveur, nous nous souvenons, enfants de la lumière du cœur, d'une journée sombre où l'oppression vint, mais où la foi en Dieu resta notre lien.